citron, il faut mettre plus de citron. Tu t'y connais, dis donc, toi. J'ai vécu 3 ans en Martinique. Ah bon? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu faisais? Traite des blanches? Ouais, enfin, si on peut dire. Qu'est-ce que tu faisais, sérieux? J'avais un restaurant en Fort-de-France. Ah bon? Ouais. Tu t'y connais, alors, en cuisine? Un petit peu. Ça, c'est quoi, là? C'est le féroce. Tu vois. Ça ressemble à des trucs à la pistache, c'est quoi? Non, c'est parce que t'as de l'avocat dedans. Putain, c'est super bon. Ouais, c'est bon. Goûte ça. C'est son nom très relevé. Non, très c'est pas, non, pas énorme, non. C'est pas très relevé. Et contrairement à ce qu'on pense, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'avocat. L'avocat, morue. Du manioc et de la morue. Que ça me plaît, ça, putain. Si je renverse la table. Mais si non, je vais pas renverser la table. Un citron entier avec un couteau, je vais faire comme on fait en Martinique. C'est fort, hein. Putain, ça. Voilà. On reste là-dessus. Normal, donne-moi un couteau. Si, un petit économe que t'avais là. T'as celui-là. Mais qu'est-ce que tu faisais, Henri? Tu faisais de la cuisine. Tu faisais de la cuisine. Créole, oui. Créole, ah bon? Tu vois, tu jettes le jus et tu balances ton truc dedans. Voilà, c'est ça, le vrai. Et tu mets normalement, c'est du sucre roux. Du sucre roux. On met pas de sirop. On met pas de sirop. Tu mets du sucre roux. C'est vrai, les vrais martiniquais du pays. Ils mettent le sucre roux au fond dans un petit verre et ils balancent. Vous en voulez d'autres ou... Non, ça va très bien. Et ils balancent le roux dessus et un jus de citron. Ça, là, il faut faire gaffe, hein, à la tienne, Henri. Un litre tous les deux jours avec mon épouse quand on était là-bas. Un litre tous les deux jours? Ouais. Et à 62 degrés, celui-là, putain. Et on s'est aperçu que. Tu vois? Ah, ça t'a rendu. Complètement marche, toi. Comment t'appelles ça? Un féroce? Féroce. C'est vachement bien, ça, dis donc. C'est beau, en plus, on dirait des petites bouchées. Oui, tout à fait. Des petites bouchées au chocolat pistache. Hein, on a fait ça pour l'apéritif. Mais c'est typique du pays, ça. C'est vrai, Sarah? Oui, ça, c'est vrai. C'est très bon. C'est vrai, très, très bon. J'aime beaucoup ça. T'aimes beaucoup? Ah oui, j'adore. Tu as quel âge, Sarah? J'ai 22 ans. Ah! 22 ans. Au moment où les choses commencent à se développer... Un peu intime, un peu sérieux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais nous sommes vos invités. Alors, au 4e étage, s'il vous plaît. D'accord. Merci. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon appartement, tout. Je suis parti avec les gosses et je suis resté là-bas presque 3 ans. Et alors, pourquoi t'es revenu? Oh, parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'argent? Non. Hein? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'argent, ça. Hein. Il y a des jolies gonzesses quand même, hein, t'es d'accord? Il y a de très belles filles. Mais t'es avec ta femme, toi, de toute façon. Ouais, naturellement, oui, j'étais un peu vissé. Et c'est une époque assez sympa quand même, parce qu'il y a des gens formidables. Les anciens sont extraordinaires. Les jeunes sont un peu difficiles. C'est vrai. Hein, c'est mais vrai. Les anciens, là. C'est toi, ça revient. Moi, j'ai demandé la main de ma femme après une bouteille de rhum blanc. Ah. J'étais allé en vacances. Oui, j'étais allé en vacances là-bas et j'avais rapporté une bouteille de rhum blanc. Et un soir ici, là, je commence, le rhum blanc. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai foncé. Et crac. Et j'ai demandé sa main à sa mère et à sa grand-mère. Eh ben. Suite au rhum blanc, tu vois ce que ça fait faire, ça fait 20 ans. Ça va. C'est bien. Ça va. 20 ans. Ah, ouais, c'était pas. Mais bon. En fin de compte, on peut dire que c'était pas à cause du rhum blanc. Non, c'était grâce au rhum blanc. C'est grâce, mais. Faites gaffe, les enfants. Hein. Bonsoir. Alors, tu vois, cette femme-là, c'est une de mes vieilles connaissances. Bonsoir. Marie-Jo. Gilles. Philippe. Bonsoir. Salut. Gilles. Gilles. Oh, Philippe Laville, mesdames, messieurs, comment ça va? Mon petit lapin. Ça va bien? Ça va bien. Tiens, Gilles, je te confie ça. Ça va, Thierry? Marie-Jo. Enchanté. Marie-Jo Ali, que tu... Salut, Firmine. Ça va? Très bien. Petit manteau ici, Firmine. Ah oui. Marie-José aussi, petit manteau ici, voilà. Ça, je fais le ponche créole, comme m'ont appris à le faire. Comme l'a appris à faire mon grand-père qui était un. Le jus de citron. Un vrai. Si vous avez un citron, qui le fabrique et le rhum. Le jus dedans. D'accord. Grâce à nos petites mains musclées quand même. On n'a pas de lait. Son grand-père, il faisait bosser les mains. Voilà, il faisait bosser mes grands-parents. Mais depuis, on s'est. Depuis, on s'est fini, on s'est retrouvés. On s'est fini. Surtout toi, oui. Ça, t'es un vrai. Je vais te montrer un truc. Un zeste. Mademoiselle, si tu as un petit couteau, fourchette, machin. Arrête de faire semblant. Gilles. Fais comme d'habitude, s'il te plaît.
aide Monsieur Laville à préparer son punch. Comme d'habitude, le Gilles, dans un établissement que nous connaissons bien, nous en a servi des vieux rhums. Tiens, regarde, je vais te faire un truc sans ça, sans. D'accord. C'est un côté éther, tu as raison. Oui, ça. Oui, on va le. Voilà. Ça s'appelle le lélage. Ah bon? On le lèle avec un lélé. Un petit lélé. Tu vois? Et maintenant, tu sens. Plus du tout la même chose. Ça développe comment les ça arômes. Se fait, mais qu'est-ce que ça? Nous avons enlevé les humeurs du rhum avec la mousse, la petite mousse qui est là. Ça, ça fiche le corps. On développe les arômes. Et on développe les arômes. C'est incroyable, c'est vrai, hein, c'est complètement différent. Un petit zeste de citron et deux glaçons et en avant. T'es de la Guadeloupe, toi, Firmin? Je suis de la Guadeloupe. Et toi? De la Martinique. Mais c'est quoi la différence? Il y a quelques mots qui diffèrent. Oui, mais on se comprend parfaitement. Sinon, on se comprend très bien. C'est la même chose. Non, mais si tu veux, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que la Martinique a été possession anglaise pendant 80 ans. Et si tu veux, ça a changé. Le créole, ça a changé pas mal de trucs. Et de la même façon que Sainte-Lucie, qui est l'île d'en face, a été française. Qui est anglaise, anglophone maintenant, parce que c'est une île indépendante. A été française pendant les mêmes 80 ans. Tu vois, il y a des échanges comme ça qui font que les trucs se sont mélangés. Et la Martinique n'a été que française tout le temps. Non, la Martinique a été anglaise. La Guadeloupe n'a été que française alors. C'est pour ça qu'il y a une petite différence. Et il y a une différence dans le créole. Le créole martiniquais, il intègre un peu la construction un peu à l'anglais. Et ce qui est drôle, c'est Sainte-Lucie, j'y étais là. Marie Galante, c'est un... attends, Marie Galante, c'est le diamant que tu trouves dans la. Vraiment. Il y a deux îles que moi qui me fascinent, c'est Marie Galante et alors l'île de Thierry Henry qui est la Désirade. La Désirade. Oh. À la Désirade, j'avais fait un reportage à la Désirade et les gars en train de m'expliquer que ouais, ils ont un problème parce que. Le continent, parce que le continent pour eux, c'est la Guadeloupe. Que bon, ils sont pas assez pris en considération, qu'ils se sentent isolés et tout. Ils étaient vachement contents qu'on vienne les filmer et tout. Et ils étaient dans un truc où c'était le continent et ils voulaient être département à part entière. C'est-à-dire qu'ils voulaient plus dépendre de la Guadeloupe, ils voulaient dépendre directement de la Guadeloupe. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vas à la Désirade, tu téléphones avant à madame, une dame que j'appelle Nounoun, qui a un restaurant à tout près de l'ancienne léproserie. Et Nounoun est une femme charmante, gentille, qui fait une cuisine hallucinante. Elle te dit à 7h du matin, est-ce que tu veux de la glace au coco? Alors tu dis oui. Bien sûr, tu dis oui. Elle dépend les cocos elle-même, parce qu'elle a des cocotiers chez elle. Mmh. Machin, et tout est fait. Tu veux manger des langoustes? D'accord. Alors, tu entends une voix qui dit... Un super créole. Ouais. Elle dépend les cocos. C'est un créole, tu dis, il a dépend le coco. On va écoute, c'est peut-être le premier de la soirée, mais à mon avis, il y en aura d'autres. Et les anciens sont extraordinaires, vous reçoivent chez eux d'une façon formidable. On a été... La jeunesse est un peu difficile. Oui, mais enfin, tout le monde a des problèmes avec la jeunesse. Mais quel genre, attends? Qu'est-ce qui faisait la jeunesse? Le genre est simple, c'est que moi, le matin, quand j'allais pour ouvrir mon restaurant, il y avait 15 gosses devant, entre 15 et 20 ans, qui m'empêchaient d'ouvrir. Ils vous empêchaient d'ouvrir? En faisant quoi? Repartez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. Oui, bon... Ah ouais. Bah, tu m'as demandé, je le dis. Oui, non, mais d'accord. Mais tu es resté 3 ans quand même. Et je suis resté 3 ans quand même. Et puis en plus, j'ai beaucoup d'amis. Oui, donc... Mais il y a une jeunesse qui est un peu dure. Hein. Bah, ça dépend de ce qu'on lui a proposé aussi. Ça dépend de la relation qu'il y a eu avec les gens qu'ils ont croisés. Moi, j'ai travaillé que des Martiniquais. Hein. Mais je pense que c'est un truc que tu dépasses très vite. C'est-à-dire que quand tu commences à parler avec eux, que tu discutes avec eux, tu ne fais pas forcément partie des gens à qui ils ont envie de dire « rentre chez toi ». Il y a des gens qui sont arrivés avec l'idée qu'ils avaient tout à apprendre au pays, qu'on ne connaissait rien. Et donc, ça a faussé le dialogue au départ. Et toi, quand tu es arrivé à Paris, c'était le choc alors? Ben non, je venais récupérer. Je venais rencontrer ma mère. Ma mère était arrivée 6 mois avant et je venais rejoindre ma mère. Je venais dans Paris, la ville lumière, et j'ai fait la traversée en bateau. Donc je suis arrivée par le Havre et je suis arrivée en France et par la gare Saint-Lazare. Et de nuit, j'ai vu toutes ces lumières. Tu sais, j'étais ravie parce que c'était Paris, ville lumière. Ouais. Et le lendemain, j'ai déchanté quand j'ai vu tous ces bâtiments tout gris. J'étais en 65 déjà. Ouais. J'avais envie de vivre la vie. Tu as fait du cinéma vachement tard en fait. C'est tard. Tu avais 40 ans. Tu as fait le film de Colline Serrault, là, Romuald et Juliette. Tu as fait 8 ans. Séverine. Et c'était déjà reparti chez moi en fait. J'étais reparti aux Antilles pour me reconstruire, me rebâtir chez moi. Et après, tu as fait du théâtre avec. Tu as joué des pièces de Coltès et des trucs comme ça, non? Ouais.
J'ai encore des pièces à jouer là. Ouais. Bon, j'en parle pas. Allez, c'est dit. Ouais. J'ai le beau projet, j'ai le beau projet au théâtre. C'est rappelé, vous en dites. 8 femmes pour toi, c'était énorme. Ah ouais. C'est le film qui t'a fait connaître quand même. Non, c'était d'abord Roméo et Juliette. Juliette, ouais, d'abord. Et puis après, je me suis retrouvée effectivement dans la cour des grands avec 8 femmes. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Après vous, cher ami. Bonsoir. 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 Sébastien. Gilles. Enchanté. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, bonsoir. Vous voulez me convier aux vêtements? Avec grand plaisir. Hop là. Merci. Peut-être laisser nos sacs ici aussi. Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, comment ça va? Comment ça va? C'est ça le va très bien, merci. Les Réunionnais. Bonsoir. Il y a des clans. Oui, déjà. Il y a déjà plein d'antillais là. Bah justement. Oh là, c'est quoi ça? Un peu de rhum arrangé de la Réunion. Rhum arrangé. Il est arrangé. Donc si tu veux, c'est histoire d'amener un peu de goût de l'océan Indien. D'accord. Ça va être un peu de vanille, un peu de cannelle. Et les Réunionnais, vous voyez entre vous? Non, surtout pas lui. Disons qu'on se croise parce qu'il y a forcément une petite communauté, mais je pense que c'est beaucoup moins fort que la communauté antillaise. Il y a une diaspora peut-être un peu moins développée. Et puis peut-être qu'on est un peu moins nombreux aussi, je crois. Ouais, et puis t'as des coins, vraiment. Mais entre vous, vous voyez jamais entre créoles, quoi. Je veux dire. Si, quand même. Si, quand même. Mais on se retrouve. Bon, on... Vous savez pas, oui, que avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive. Ah bon. Mais non, c'est revenu 2-3 fois, mais vous savez pas qu'elle était réunionnaise. Mais elle ressent, moi j'ai tout de suite vu qu'elle était réunionnaise, elle ressent. Tu te souviens pas de ce groupe malgache qui s'appelait les sœurs. Les sœurs. Oh là là, oh là là. Oh. J'avais le 45 tours, ma mère avait 45 tours. Qu'est-ce qu'ils étaient? D'être malheur, c'est normal pour moi. Voilà, c'est ça. C'était génial. Le répertoire est de ce qu'il vaut, mais ils avaient des vraies voix. Ils étaient très mignons, c'était les seules stars qu'on connaissait de ça. C'est une grande famille, mais tu vois. C'est une famille, c'est une grande famille. C'était les Jacksons de l'océan Indien. Les Jacksons de l'océan Indien, absolument. Mais ils étaient malgaches, hein. Ouais, malgaches. Les surfs. C'était la grande époque, ça. Tu te souviens de ça, toi? Ah bah, tu parles. Quand j'ai débarqué, j'arrivais avec mes disques, des Grammax, des Léopards qui chantaient « je suis un homme, quoi de plus naturel ?» Jean-Claude Dreyfus l'a repris. Bon, et puis il y avait des trucs vachement bien. Il y avait les Grammax, il y avait tous ces groupes qu'il y avait aux Antilles à l'époque, les Merrymen et tout ça. Donc j'arrivais avec mes 33 tours dans les booms, puis je mettais ça, les mecs me regardaient avec des yeux, mais t'es ouf, toi. En fait, t'es fou, pardon. Ouais. T'es à ouf, l'époque, c'est on était encore fou, on était pas encore ouf. On était déjà fou, mais pas encore ouf. C'est le réel. Oui, oui, oui. On a envie de rencontrer la bête, hein. Toi, tu es là. Non, c'est parce que t'as une grande gueule, donc on se dit qu'en te mettant là-bas, on t'entendra quand même. Oui. Créole martiniquais et créole guadeloupéen, même bite. Le créole martiniquais, attends, chérie, madame la présidente. Si tu m'autorisais à faire la traduction, je suis poigné le temps pour le faire. Oui, d'accord. Alors donne-moi ma mamie un peu de temps pour faire les choses, alors voilà. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, c'est la même chose. Se ressemble. Même bitin, c'est la même chose. Dis-moi ce que tu penses, par exemple, de Thierry, et je vais traduire. Aïe, 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 coco, frère, qu'est-ce que ça dit, là? Qu'est-ce que tu m'as demandé, qu'est-ce là? Qu'est-ce que tu me demandes, là? Attends, tu vois? Ouais, c'est la même chose avec la réunion, le créole. Il y a des similitudes. Ouais. C'est ça qui est faisant, c'est que c'est loin. Mais gagne pas dire, c'est un moukat. Ah non, ça. Alors, traduit. Traduction, c'est-à-dire qu'elle a utilisé un mot qui est très difficilement traduisible. Mais non, c'est mignon. C'est mignon. C'est-à-dire que ça peut être très méchant comme plutôt affectueux. Mais non, moukat, c'est genre. Comment on peut dire ça? Ah oui, voilà. Ah oui, c'est difficile, c'est si réunionnais. C'est le mot qui sort quand tu es dans une conversation en français. Et que tu n'arrives pas à traduire. Ah, ben par exemple, à la Guadeloupe, c'est Awa. C'est chez nous, c'est le. Awa. Le chip. Oh. Ouais. Et les créoles gardent leur mystère. Est-ce que ça vous arrive des fois de parler en français et de lâcher un mot en créole dedans? Par exemple, à La Réunion, pour dire oui, on dit bain. Ah, ben. Donc le mec, il pose une question, tu dis bain. Et le mec, il est là, il attend la suite. Parce qu'évidemment, tu dis bain. Bain quoi? Bain. Nous, on va dire. C'est ça le oui. Et nous, on dit. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ben, ouais. Ah, ben, ouais. On dit pareil, c'est pas.
C'est super drôle. Quand les rappeurs ils vont à la Réunion, ouais. Je ne sais pas ce que vous faites aux Réunionnaises, mais vous faites un effet bœuf. C'est-à-dire que toutes les nanas sont accros. Et j'ai assisté à une scène, tu me crois pas, deux filles en train de se battre en boîte pour les arseniques. Ah oui. C'était énorme. Elle se battait. Alors, il y en avait qui disaient « Ou prends pas la mienne ! Non, mais prends pas la vôtre ! C'est la mienne » C'est-à-dire, ces gens de la Réunion, c'est pas une bagarre, ça. À la Réunion, c'est pas de la bagarre. C'est « Ou prends pas la mienne ?» C'est « mon toi, mec. » Toi, tu touches pas, c'est le mien. C'est ma propriété. Ouais, mais chez vous, vous avez, vous avez une substance. Qu'on peut se procurer très facilement. Que vous n'avez pas aux Antilles. Qu'on a aux Antilles, bien sûr. On appelle ça comment? Le Zamal. Le Zamal, c'est l'herbe. Oui, c'est le juge Jean-Pierre qui m'en a parlé la première fois. Parce que le juge Jean-Pierre, il est de la Réunion. Il m'a expliqué quand il était petit, il fumait du Zamal. J'étais à côté d'un mec. C'est quelque chose. Bruno, tu es d'accord avec moi, le Zamal? Ouais. Moi, un jour, j'étais à côté d'un mec qui fumait du Zamal. J'ai dormi au plafond dans ma chambre. J'étais couché au plafond. Moi, du Zamal, j'en ai des champs, mais en vrai, ça s'appelle vraiment un mauvais truc. Ou en Guadeloupe. À Zamal City. À Zamal City. Non, chez nous, on a un problème qui est beaucoup plus grave qu'à La Réunion. C'est que nous, mais ça, c'est peut-être pas le moment parce que c'est plutôt festif. On est au lendemain de début d'année, là, tu vois. Mais il y a de la cam. Qui non, mais flingue. Il y a le crack. Vous êtes à côté le crack, de l'Amérique, donc ça. Qui flingue nos ouais, Le crack flingue nos c'est un sacré cocktail. Le crack, il y a du crack aux Antilles. Ah, ouais, oui, voilà. Mon coco. Ça flingue. C'est la route, le crack part du Mexique, en fait, l'Amérique latine. Et il rentre en Europe par les Antilles, quoi, en fait. C'est terrible. Mais les Antilles, dans le sens large du terme. Il y a cette proximité latine. Oui. Et forcément, bon. Et les mecs, ils n'ont pas toujours les moyens, hein, au niveau crack. Hein. Ils n'ont pas toujours les moyens, mais ils se débrouillent. La mauvaise qualité. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ouais. Thierry, avocat, médecin, des gens de tous les milieux. Ah oui, les milieux, enfants, hein, bien placés dans le monde. Ça touche tout le monde. De famille, bien placée, effectivement. Parce que le produit abîme la cervelle. C'est on ne peut pas sortir un enfant du crack. C'est pas une drogue crack, spécifique qui a touché au crack. Il rechute. Bruno, je suis allé, Marie-Jo connaît l'endroit, je suis allé au Lamantin dans la mangrove avec un de mes copains qui avait été un consommateur de crack de haut niveau, qui s'en est sorti, on ne sait pas comment, lui-même ne sait pas comment, il m'a emmené me balader dans la mangrove. À 10h du matin, j'ai vu un type de 40 ans, ouais, à plat ventre, avec un couteau, en train de gratter dans la terre pour essayer de récupérer les boulettes pour faire sa pipe de crack, quoi, tu vois. Dans les familles nobles, tu avais l'aîné qui était l'héritier. Il récupérait les terres, le nom, etc. Bon. Et le cadet de famille était soit au service de son frère, aîné, soit s'engageait dans les ordres, soit s'engageait dans l'armée, s'engageait dans les ordres, rentrait dans les ordres, s'engageait dans l'armée, ou choisissait l'exil. Ouais. Par exemple. Alors, à l'époque, c'était la colonisation de toutes ces îles, que ce soit la Réunion, que ce soit enfin, toutes les découvertes qui avaient été faites par différents navigateurs. Et donc, on a dit, il y en avait certains qui sont partis. Tous les cadets. Voilà, absolument. Ce sont les cadets de famille qui sont tous partis et qui sont allés s'installer dans ces îles, qui ont colonisé, qui ont participé aux trucs bien, aux trucs moins bien. 1789, révolution ici. On envoie un monsieur qui s'appelle Victor Hugues. Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes net. Hein. Victor Hugues qui part sur un bateau avec une guillotine. Oh, le salaud, il a été là-bas les poursuivre. Et ouais, il arrive à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, tous les nobles qu'il arrive à choper. Je nous connais. Attends, tous les nobles qu'il arrive à choper, il leur coupe la tête. Ouais. Reste des gens qui arrivent à s'échapper. Mmh. Dans les fonds, dans la qui s'appellent, alors qui ont des noms incroyables, qui s'appellent Monsieur de Polignac, Monsieur de Gouillon-Matignon, Monsieur des machins, qui sont des grandes familles françaises, enfin des grandes qui s'échappent, qui se planquent comme des nègres marrons, quoi. Comme les oui, marrons. Exactement. Comme les marrons. Ça, ouais. Ils se tirent et ils se planquent. Et, ouais. Et ils vivent en autarcie complète. C'est d'ailleurs ces gens-là. Ça. Oui, absolument. Ce sont des gens qui ont refusé pendant l'esclavage, ils ont refusé le droit de cuissage. Ils disaient, non, on est entre nous, machin, etc. Bon,
Ça, ces gens-là. Là, la guillotine, une fois que l'homme, monsieur Hugues a l'impression d'avoir terminé son boulot à la Guadeloupe, il part à la Martinique. Entre-temps, arrive... Alors déjà, la Martinique, ils avaient préparé la défense. Et entre-temps, arrive l'ordre de la commune d'arrêter ce massacre, parce qu'en France, on s'était aperçu qu'en France, qu'il y a, c'était un bain de sang absolument épouvantable. Même si ces gens-là avaient été, certains avaient été odieux, il y avait peut-être des gens pas mal là-dedans, quoi. Donc c'était quand même une espèce de, comme une guerre civile, quoi. Il y a surtout que Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue, Santo Domingo, c'est-à-dire Hispaniola. Ou Antigua. C'est-à-dire Haïti plus Saint-Domingue d'aujourd'hui représentait à peu près plus de 60% du PIB français. Donc, il fallait quand même préserver un certain nombre de choses. Il n'était pas question. Et les planteurs, il y avait qu'eux qui savaient mener leur bordel. En revanche, moi, ce que je regrette de cette partie de l'histoire, c'est déjà qu'on l'ait évacuée des livres et qu'elle ne soit pas fidèlement. Qu'est-ce qu'on a évacué des livres, Marie-Josée? La première défaite de Napoléon, pour toi, c'est quoi? On n'en parle pas tellement. Une des grandes défaites. Si une des grandes défaites de Napoléon, c'est Port-au-Prince. Ah ouais? Ouais. C'est Port-au-Prince parce qu'il s'est fait jeter avec ses 8000 mecs par Toussaint-L'Ouverture. Et Toussaint-L'Ouverture, au lieu aujourd'hui d'être le héros des Noirs, des Nègres, de nous, il devrait être un héros universel que je partage avec Philippe, que je partage avec toi, que je partage avec tout le monde, parce que c'est le seul homme qui a exporté l'idée de la Révolution française. L'esclavage a été aboli. Et la pauvre Joséphine qui a rencontré Napoléon. L'Apollon. Se plaignait la pauvre d'avoir perdu ses terres, d'avoir perdu ses richesses aux Antilles. Donc, le gars très amoureux a voulu rétablir l'esclavage aux Antilles. Donc, Napoléon a rétabli l'esclavage partout, sauf en Haïti. Toussaint-L'Ouverture a été là pour dire non, chez nous, il n'y aura pas d'esclavage. Il a résisté à Napoléon. Voilà donc l'histoire. Merci, Fermi. Donc l'histoire, c'est que Joséphine a demandé à Napoléon de rétablir l'esclavage, mais Toussaint-L'Ouverture, à Hispaniola, c'est-à-dire à Haïti plus a refusé. Ça a duré combien de temps, une fois qu'ils l'ont rétabli? Ça a duré très peu de temps. 2-3 ans. Oh, quelques années, hein. L'esclavage aux Antilles, ça a été non. Jusqu'à Schœlcher. Au moins 38 ans, voilà. Au moins jusqu'à 1840, Schœlcher. 1848 après. Ça a dû durer 40 ans jusqu'à Schœlcher. On a rétabli, vous vous rendez compte? Et lui, il a résisté. Toussaint-L'Ouverture. Et c'est vrai que Toussaint-L'Ouverture, aujourd'hui, il n'a pas une notoriété. Comme Nelson Mandela ou Martin Luther King, ils sont plus connus que Toussaint-L'Ouverture. Mais en tout cas, ça a été le seul qui a résisté à Napoléon. Effectivement, Napoléon s'est rendu compte qu'il aurait mieux fait. Intelligente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait fait de la politique, il aurait été incontournable. Sûrement. C'est un mec qui a fait de la politique avant même que c'était une vraie tête, ce type. Sûrement. C'était une vraie tête, c'est-à-dire qu'il a négocié, il avait une obsession, une idée, il avait une ligne d'horizon, l'abolition de l'esclavage. Napoléon, quand il s'est retrouvé, effectivement, à l'île d'Elbe, quand il s'est retrouvé lui-même, effectivement, dans la situation où il a mis Toussaint-L'Ouverture, il a dit, il a déclaré qu'il aurait mieux fait de négocier avec Toussaint-L'Ouverture. Il aurait fait davantage, il aurait fait un meilleur boulot avec Toussaint-L'Ouverture que de le mettre. Parce que tu sais ce que Toussaint-L'Ouverture lui offrait? Toussaint-L'Ouverture lui offrait la possibilité économique dans un partenariat comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire un accord de coopération. Ça n'existait pas à l'époque dans la tête des gens. Il lui offrait la Louisiane. Il lui offrait partout, partout où il y avait des esclaves à libérer, il lui offrait une coopération économique. Et il a dit non. Et tu sais pourquoi il a dit non? Parce que Toussaint-L'Ouverture lui a écrit premier des Noirs au premier des Blancs. Voilà. Et là, il s'est dit, attends, le mec, il se met à mon niveau, là. Ça fait que c'est Napoléon, ça. Napoléon, voilà. Mais quand on dit béquet, béquet, ça veut dire quoi? Il y a un linguiste qui a travaillé sur les langues, qui étaient parlées dans les pays d'Afrique, de la corne africaine, d'où étaient pris, enlevés les esclaves pour être emmenés aux États-Unis, via les Antilles. On mettait aux Antilles les plus forts ou les plus malades, et puis après, ça se terminait aux États-Unis dans les champs de coton. C'est les mêmes. Absolument. Dans le même bateau. Bien sûr. Et c'est ceux qui sont partis aussi à la Réunion. Dans les mêmes bateaux. Oui, enfin, sauf que là, la corne africaine, les Antilles et les États-Unis, ça paraît assez logique, si tu veux. Bon. Il y avait, dans tous ces langages du Bénin,
du Sénégal, du... Bénin, Sénégal... L'Espagnol, la Côte d'Ivoire, Dahomey, etc. Dahomey. Il y avait deux mots qu'on a retrouvés. M apostrophe Meke, M-E-K-E, qui veut dire l'homme qui a le savoir. Et M apostrophe Beke, B-E-K-E, qui veut dire l'homme qui a le pouvoir. Ah, c'est fort. Ah, voilà. C'est bon. Ce qui veut dire, pardon, de, peut-être de décevoir des gens, mais les premiers Beke, c'était ces Africains qui disaient à leurs frères, leurs sœurs, machin, tu montes dans le bateau. De toute façon, donc, il y a l'esclavage. Oui, ensuite, c'est des collabos. Bien sûr. Ensuite, arrivaient ces bateaux. À bord du bateau, il y avait un Beke qui était le capitaine du bateau. Le contre-maître. Ou le contre-maître. Ouais, ensuite, arrive, le bateau arrive dans les ports ou sur les plages où on débarquait, c'est malheureux. Mais en arrivant à la Martinique, à la Guadeloupe, et dans les autres îles, il y avait des gens qui les achetaient. Ouais. Alors, ça pouvait être un contre-maître métis, ça pouvait être un blanc, ça pouvait être... Mais qui était de toute façon un béqué. Ouais. Puisque c'était un béqué. Le mec disait, toi, tu vas là. Oui, un béqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une relation très passionnelle aux Antilles. La plupart des gens qui viennent de l'extérieur et qui arrivent et qui débarquent là-dedans disent, mais attendez, mais vous foutez de la gueule du monde, comment vous faites là? Vous êtes avec, vous fraternisez avec les colons, vous leur tapez sur la tête, vous les détestez, vous les aimez, et eux vous détestent, vous aiment. Bon, je veux dire que si Firmin est là aujourd'hui, si lui il est là aujourd'hui, si toi, si moi, c'est parce que à un moment il y a, des gens, mais oui, pareil, il y a des gens qui ont fauté sur la plantation. Il y a eu des histoires de violence, mais il y a eu des histoires d'amour. J'adore sa manière de dire. C'est évident. Il y a eu des histoires d'amour. Il y a eu des histoires d'amour. Ça, c'est très fort. Mais il faut avoir le courage de le dire parce qu'il y a eu des histoires d'amour, des histoires de sexe, des histoires de viol, des histoires d'amour. Philippe, il y a un truc, moi que je comprends pas, c'est pourquoi aux Antilles, contrairement à beaucoup d'autres pays, il n'y a jamais eu de leader indépendantiste qui soit vraiment resté dans l'histoire. Il n'y a pas eu de Ben Bella, il n'y a pas eu de Bourguiba, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu d'Ho Chi Minh. Je peux répondre, parce que j'en ai pas... C'est la même j'en ai pas placé une, pratiquement. C'est vrai, il y a des femmes... Si c'est pas trop vous demander... Non, mais attendez. Vas-y, Francis. C'est bon. Vas-y, Francis, c'est bon. Te laisse pas déstabiliser. Attendez, si c'est pas... Non, si c'est pas trop vous demander, est-ce que je peux en placer une? Bien sûr. Si c'est pas... Trop exigé de... Attention, Francky, vous replacez une. Parce que vous êtes prolixe, mais donnez-moi une chance, quoi. Oui, chérie. Carrément, quoi. Oui, chérie. Tout le monde fait silence et personne n'entend. Pourquoi il n'y a pas de leader indépendant? Alors, il n'y a pas de leader parce qu'on ne peut pas être un rebelle dans un pays et prôner l'indépendance, prôner le nationalisme en étant foncièrement fonctionnaire. Voilà. Quand on a cette culture... D'accord avec parce que toi. C'est une culture que nous avons et que nous pratiquons au quotidien... et que nos parents nous ont inculqué cette culture d'être fonctionnaire. Donc nous avons des rebelles en Guadeloupe, nous avons des indépendantistes qui sont fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... Le summum de la rébellion en Guadeloupe, c'est le syndicalisme. Il n'y a pas un mec qui a vraiment des... Couilles, tu peux le dire, tu voilà, le vois. Voilà, sans être fonctionnaire, qui est vraiment comme Bob Marley, comme Bob Marley, qui est un leader en Jamaïque tout en... Universel, pas qu'en Jamaïque. Tout en adoucissant les mœurs. En chantant ceux qui chantent, en adoucissant les mœurs, il a véhiculé son message charismatique. En Guadeloupe et en Martinique, pour le moment, ça n'existe ça pas. Mais toi, par exemple, quand tu chantes tes chansons sexy et tout, c'est pour pas chanter des chansons plus violentes. Attends, au niveau de mon répertoire, j'ai quand même 170 chansons. Ouais. J'ai 150 chansons qui parlent de cul, mais il y en a 20 où je dis ce que je pense par rapport à la mentalité antillaise, qui est une mentalité qui me perturbe tous les jours. Surtout les mauvais côtés. Tu penses que les Antillais, finalement, ils ont été... D'une certaine façon, aujourd'hui, le fait d'être fonctionnaire, d'être assisté par la République, ça les a remis en esclavage, d'une certaine façon? Tout à fait. Ça, c'est... Non, moi, là, je vais me lever, je vais te serrer la fesse. C'est vraiment le terme. Ah non, là, non, je vais lui serrer la fesse. Non, tu peux. Pas la main. Tu peux. Si, je vais lui serrer la fesse. Non, il y a une erreur. Et lui gratter la main en même temps. Non. Il a tort. Non, la raison, c'est nous... Il a tort parce qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un État qui lui demande de rendre des services à d'autres
Il fonctionne. Je ne peux pas laisser dire ça. Comment tu peux refuser de fonctionner? Non, mais toi, quand je veux dire non, c'est C'est toi le rebelle. Est-ce que vous pouvez laisser parler la réunion, s'il vous plaît? Oui, juste pour la réunion. Tu sais, dans les années... Vas-y, après je m'exprime. Bon, j'en ai placé une et je la ferme maintenant. Non, mais toi, on te l'a dit. Allez, vas-y. Confirmé, dans les années 70, il y avait un fort mouvement indépendantiste à La Réunion. Et ouais. Il y avait possibilité de coopération. Maurice, à côté, c'est une île qui est indépendante et qui ouais, vit. Bien sûr. Bon, avec quand même beaucoup de disparités au sein des communautés, mais elle se débrouille toute seule. Ouais. Et à ce moment-là, La Réunion, c'est quand même une plaque tournante pour la France dans l'océan Indien. C'est quand même une... c'est l'Europe dans l'océan Indien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a assisté La Réunion, on l'a perfusée. Aujourd'hui, voilà. La Réunion ne peut plus être indépendante. Elle a besoin de la France. Elle ne peut plus. Ça rebondit et ça va dans le sens de ce que vous dites. Dans les années 70, il y avait possibilité de créer une vraie coopération. Aujourd'hui, à La Réunion, c'est vrai, quand tu quittes, il y a une autoroute, il y a... Mais c'est l'Europe dans l'océan Indien et surtout qui a besoin de la France et part donc forcément de l'Europe. Sans la France et sans l'Europe, La Réunion, il y a quoi? Il y a de la canne à sucre. Ouais. Donc tu ne peux plus être indépendant. De la canne à sucre. Alors, c'est une île que j'aime foncièrement, c'est chez moi, c'est mon pays. Mais c'est une île qui est complètement perfusée, malheureusement, totalement assistée. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre que d'être fonctionnaire? Finalement, on n'écrit pas tous des bouquins, on ne présente pas tous la météo, on ne fait pas tous de la télé ou des chansons. On doit fonctionner. Réponds-moi, à part fonctionner, j'aimerais savoir ce que je peux faire. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Non, mais c'est un vrai danger pour le pays. Les gens ne produisent pas, ils attendent effectivement... tout ce qu'on leur amène. Mais moi, je stigmatise pas une mentalité locale. Alors, les pauvres, non, ceux qui ont été... les gens qui ont essayé... ceux qui ont essayé de produire... parce que chez nous, il y a des gens qui ont essayé de produire, qui ont essayé de faire. Mais c'est vrai que les gens ont défendu bec et ongle leur fou village. Et nous avons ce problème ici, aux Antilles, que bon, on défend ces privilèges. Ce qu'il a dit est très juste. Ce qui s'est passé à La Réunion, ils ont perfusé. Quand ils ont vu que les Réunionnais... on leur a donné effectivement la dose, on leur a mis ce qu'on appelle chez nous un os. On leur a mis un os dans la gueule et ils ont fermé la gueule. Voilà. Et ça, c'est très mauvais. Regarde Madagascar, c'est l'un des pays les plus riches du monde dans ses richesses. C'est l'un des plus pauvres dans sa population. On est dans l'océan Indien, l'océan Indien est riche. Problème, et si on avait... Attends, laisse-moi finir. Non, je te laisse pas finir. Laisse-moi finir. Arrête, Bruno. Attends, ce que je veux dire... On perfuse les Antilles, on perfuse la banane, on perfuse la canne, on perfuse ci, on perfuse ça. Et puis, le jour où tu poses la question à la majorité des gens aux Antilles, voulez-vous l'indépendance, oui ou non, ils te disent oui, c'est formidable. Et puis, ils font 30 km. Et puis, ils vont à Sainte-Lucie, qui est indépendant. Et puis, où ils font 30 km au nord, ils vont en Dominique, où c'est indépendant. Et là, le revenu moyen, nous, on parle de la banane, je suis navré, parce que c'était le métier de mon papa. Aujourd'hui, un ouvrier agricole à la Martinique ou à la Guadeloupe qui coupe des bananes et qui travaille, il est payé 500 francs par jour, avec les charges sociales, la sécurité sociale pour sa femme, ses enfants, sa famille, etc. La même banane que tu trouves à Sainte-Lucie, ça change, mais la même banane que tu trouves en Amérique centrale, c'est 500 Honduras, francs par an. Honduras. 500 francs par mois. Au Guatemala, ce sont les bananes les moins chères. 500 francs par mois. Ouais. Et puis si tu ne portes pas le quota qu'il faut, on te... Bon, d'accord. Donc l'esclavage, il est à 1500 km de chez nous. Alors, je veux bien qu'on dise qu'on a perfusé. Voilà. Merde. Oui, aujourd'hui, c'est évidemment la départementalisation est un plus... pour les habitants de ces îles-là, et qu'ils n'ont pas de raison d'être indépendants, parce que s'ils étaient indépendants, ils vivraient moins bien. Ça ne va pas durer. Nous sommes dans une période quand même de l'histoire du monde où on ne peut pas continuer à perfuser, à faire des trucs comme ça, à subventionner la banane à fond la caisse. Ça et va le bien, mouton ça du Larzac. Et le mouton du Larzac, etc. Donc, et, ça la veut pomme dire quoi? De terre, et la pomme de terre de l'île de Ré. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, Philippe? Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, demain, il faut qu'on trouve des vraies perspectives économiques pour ces pays-là. Alors, monsieur Ifo Yaka, je peux... Non, c'est pas Ifo. Qu'est-ce que tu lui dis, Firmina? Ils sont en aigle. C'est lui qui a raison. Ils sont en aigle. Faites en France de parents entiers. Ils sont négropolitains. Il est né à métropole. Si... Attends, où tu es né? Où tu as été déclaré? J'ai été déclaré à Paris dans le 92. Ah ben voilà. Donc, tu es né en France. En France hexagonale. Je suis né... En France, en métropole. Je suis né dans la métropole. De grands-parents de Saint-Quentin, d'arrière-grands-parents condamnés à mort et d'une bonne
peut-être, hein, de personnes qui s'occupaient de... Mais tu es né en France, mais non, je suis parisien. Oui, donc tu es un négropolitain. Ou tu es parisien, d'accord. Mais pour nous, antillais, tu es un négropolitain. Alors, si accepter, tu cherchais à savoir où était le révolutionnaire aujourd'hui... C'est péjoratif. Ce n'a rien de péjoratif. Mais non, ce n'est pas péjoratif. Non, il faut accepter le terme. Non, mais Firmine. Il ne faut pas, non, ce n'est pas péjoratif. Mais comment tu vas appeler ces gens? Négropolitain. Mais comment on va appeler cette génération-là? Mais pourquoi veux-tu l'appeler? Comment on va l'appeler? Négropolitain, il le prend mal, lui. Mais comment on va l'appeler? Mais moi, je le prends mal aussi. Mais pourquoi? Mais comment on va l'appeler? Mais pourquoi veux-tu l'appeler? Mais c'est nègre qui fait en France. Non, mais m'engueule pas. On a compris. Vous êtes blancs, vous êtes blancs, vous êtes nègres. Je suis l'enfant de votre union. Oui, mais je peux te répondre. Ton papa est blanc? Mon père est blanc. Ma mère est noire. D'accord. Alors, attends. Non, mais je comprends. Quand tu sois né effectivement, de parents domino, blanc, nègre, ok. Mais chez nous, non, mais chez nous, tu sais, il existe chez nous des enfants, père et mère, antillais, qui sont nés ici. Comment on veut les appeler, ces enfants-là? Négropolitains. Mais voilà, mais ils sont nés. Je refuse. Oui. Bon, alors. Mais. Non, mon père est nègre, ma mère est une négresse. Je suis née ici, je nais en France. Je dis je suis négropolitaine parce que je suis née de parents nègres. Les ancêtres étaient africains. Mais ne nous engueule pas. Non. Elle m'engueule. Et je suis née en France. Oui. Je suis née en France métropolitaine parce qu'on m'a dit que la France est la métropole. Oui. Un terme que je n'accepte pas. Moi, je dis je suis née en Guadeloupe, je suis antillaise. La France. C'est la France. Oui. La Guadeloupe, pour moi, ma Guadeloupe, mon pays, c'est mon pays. Ce n'est pas une dépendance de... La France, c'est ton pays. Donc, c'est ta nation. Donc, je n'accepte pas le mot métropole, mère, patrie. D'accord. Okay. Et tu sais que c'est important. Je n'accepte pas. Pour moi, je dis, je vais en France. Je suis né en Guadeloupe. Tu dis pas je vais en métropole, tu dis je vais en France. Je dis en France. D'accord. C'est une vision autonomiste. C'est une vision autonomiste, quand même. Tu le prends comme tu veux. Non, mais moi, c'est ma vision. Je dis, je suis une Guadeloupéenne, je vais en France, je vis en France, je suis née en Guadeloupe, mais je vis en France. Bon. Mais ça veut pour dire moi, que... Non, mais je veux juste rebondir dessus. Ça veut dire que le mec qui habite dans le Cher, il dit, je suis du Cher, mais je vais en France. C'est-à-dire que quand il sort du Cher, il va en France. Ça, c'est son problème. Ah bah non, mais... Ça, c'est son problème. Il a qu'à pas être né dans le Cher en même temps. C'est vrai. Ouais. C'est merveilleux d'avoir chez soi. Moi, mon diamant avec ma plage, mon rocher, mon chez-moi, les pêcheurs qui me connaissent depuis mon enfance. C'est absolument merveilleux. Je peux parler de mais mon François. Mais n'empêche que ça nous a complètement écouillés. Ça nous a écouillés pour nous battre et exister à l'intérieur. Toi, tu veux pas parce que tu es ici. À l'intérieur de ce pays hexagonal. Je suis né à la Guadeloupe ou je suis né à la France. Quelle sera ma différence? Tu es né ici. Mais quelle est ma différence? C'est intéressant ce que tu dis. Que tu dois accepter le terme de négro. Mais non, c'est pas parti pour négropolitain. Il est aussi nègre que je suis négropolitain. Maintenant. Non, la différence. Et toi, tu es aussi blanche qu'il aurait pu être négropolitain. Défends-la. La différence entre Philippe et toi. Attends, Marie-Jo, reprends ta démonstration. Vous, oui, c'est comme ça que je vois la chose. Je comprends que vous ne soyez pas indépendant. Hein. Parce que pour être indépendant, il faut déjà se mettre d'accord à deux. Si, parce que Marie-Jo avait une raison à laquelle je voulais donner tort. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que je pourrais être moins nantillais sur une terre d'accueil qui a accueilli des esclaves. Qui a accueilli des gens de toute espèce qui étaient condamnés en France. Comment est-ce que, de tout genre, comment est-ce que tu peux dire qu'il y a un Antillais et qui ressemblerait ou à un noir ou à un blanc plus blanc que l'autre? Un Antillais, c'est un Français d'aujourd'hui, quelqu'un mais ses parents sont nés, il connaît à peu près les us et coutumes, et puis basta. D'accord. Mais non, là, on a un conflit de génération, premièrement. Aucun conflit. Deuxièmement, déracinement. Les premiers habitants de la Guadeloupe étaient les Indiens d'Amérique. Oui. Mes amis, les Arawaks. Non, d'Amérique, non, c'était les Taïwanais. Voilà, écoute-le. Arrête, c'est sa barbe. Gabonaise, sénégalaise, malienne. C'est ce que tu as dit de plus intelligent toute la soirée. J'ai pas fait exprès, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il y a, aux Antilles, il y a un gros désordre. Entre les Guadeloupéens, déjà, et les Martiniquais, il n'y a aucune solidarité.
parce que tout le monde est fier, tout le monde regarde son nombril à longueur de journée. Et en fin de compte, entre nous, il y a beaucoup d'amour, mais il y a de la haine aussi. Donc, il y a tout un va-et-vient comme ça. Et ça part depuis l'histoire. Depuis l'histoire aussi, parce que les esclaves qui étaient dociles, qui étaient gentils, qui étaient obéissants, on les envoyait en Martinique. Et ceux qui étaient rebelles, c'est vrai, on les envoyait en Guadeloupe. Non, pas d'accord. Donc, c'est la base même. Pas d'accord. Génétiquement, tous ceux qui... Génétiquement déjà, on est fait pour ne pas s'aimer passionnément. Non, je suis pas d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sandrine et Fabienne. Je vous en prie, quatrième étage. Merci. Mesdemoiselles, bonsoir. 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 Vous voulez me confier votre bouton? Avec plaisir. J'aurais peut-être beaucoup de choses. D'accord, on va y arriver. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Ça a réussi à politiser ma chanson. Si. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle s'enégresse. Papa est bonnet, il est bonnet, il est bonnet. Alors c'est le fruit de l'amour. Là c'est autre chose. Ça c'est de l'amour. Vous avez la chambre 24. On danse salsa là. Allez, bougez. Salsa alors. Elle nous a bien gonflé avec la Guadeloupe. Ah mais ma bougez, mon Dieu. Tu tournes pas. Ah pas pour le bouger. Mais voilà, avec la musique, tout est possible. Quand je suis chez moi, je bouffe des choses saines. En regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Non. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle bouffe des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Tu boudais des acras, des merguez et du mouton. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Tu pues du cul. Avec moi, tout le monde. Tout le monde avec moi. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Avec moi. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Attention avec moi. Prout, ça pue. Prout, ça pue. Soleil là qu'a couché, la lune là qu'a levé, cocotier qu'a bougé, caressez-moi, caressez-moi. Dans l'huile là qu'a tombé, tombé, petits oiseaux qu'a posé, ces pommes maudits chanter, caressez-moi, caressez-moi. L'homme a qu'a l'aimé, la lune là qu'a frémi, cocotier qu'a pas. Pardon.
n'ai qu'à danser. Si nous des bras en vous nous expliquer. Coller, serrer, coller, serrer. Ha, moi, j'aurais pas des mains, je sais que je te reverrai. Tant d'années ont passé, je vois que tu n'as pas changé. Moi, pas tes gars si posés, moi, t'es guéri par les bas. Gardez-moi, je dis, pas qu'à trouver rien pour dire, ou là, tout près, moi, qu'à sourire. Paralabad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 ab
passion. J'aime quand tu touches. Fruit de la passion. Oh, mais c'est super. Fruit de la passion. Oh, vas-y. Fruit de la passion. Oh, mais super. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Vas-y Funky, c'est bon, 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 vas-y Funky, c'est bon. Vas-y Funky. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.